Et bonjour tout le monde, nous voici pour la deuxième séance de HIIT cardio avec moi. Donc je vais vous présenter un petit HIIT avec 7 exercices. Pour ce HIIT, vous aurez besoin d'un tapis pour les abdos, d'une bouteille d'eau bien sûr pour vous rafraîchir, et de petits poids, alors soit 500 grammes, soit 1 kg. Vous pouvez également prendre une bouteille d'eau pour une ou deux bouteilles d'eau d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est mieux, juste une. Deux bouteilles d'eau pour bien équilibrer, pour travailler vos bras. On va démarrer sur un petit échauffement articulaire. Donc on va démarrer par l'échauffement du cou. Vous allez faire des petites rotations sans vous emmener trop la tête en arrière. Pas traumatiser le cou. Allez, encore. 3, 2, 1. Et changez de sens de rotation. 3. Encore. 2, 1, relâchez les épaules, on vient rouler ces épaules. Inspirez, expirez. Très bien. Encore. On va passer au coude. Vous placez une main sous le coude et puis vous emmenez la main, l'avant-bras, devant, derrière, donc au-dessus, en dessous plutôt. C'est plus logique comme ça. Au-dessus, en dessous. Moi, je suis cool.
Bon, si Dorothée a nous fait un petit malaise, on sera là pour lui faire du bouche à bouche, ne vous inquiétez pas. Ouf. Deuxième exercice, on va partir sur le fait de se mettre à genoux au sol et de remonter sur ses pieds. Hein. Voilà, se mettre debout ensuite sur les pieds. Vous pouvez très bien le faire avec les bras sur le côté ou les mains sur les hanches. Ok? Allez, c'est bien. Pour ceux et celles qui ont des petits soucis d'équilibre, n'hésitez pas à placer votre main sur une chaise, à mettre une chaise à côté. Hein. Ça va, Toko? Ça va. Allez, on garde les épaules en arrière, on fixe un point. Hein? On souffle bien. Allez, ça commence à réveiller un peu les quadriceps. Hein. Super. Relâchez. Troisième exercice. Pour le troisième exercice, on va avoir besoin de ces haltères ou de bouteilles d'eau. Hein. N'hésitez pas à faire une petite pause sur la vidéo si vous n'avez pas le matériel adéquat. On va venir fléchir les bras et emmener les mains sur les côtés, toujours les mains dans le champ de vision. Allez, pied à la largeur des hanches et on y va. Épaules en arrière. Ça va de vous? Ça va. Moi j'ai fait 1 kg. Hein. Elle a pris 500 grammes. Alors moi j'ai eu un petit souci à l'épaule. Hein. Voilà. Ça a pris mes frimes. Donc on fait en fonction de ses activités. Voilà, c'est ça. Vous pouvez très bien faire cet exercice aussi sans poids. Hein. Ou avec 2 kg. Ou plus, ou tu disais. Ou 2 kg si t'es. Oui, plus, effectivement. Donc là, vous allez poser vos petites haltères. On va partir sur des gainages. On va avoir besoin de son tapis pour le coup. Et on va placer les coudes sous les épaules. Le dos lent, l'alignement du bassin. Moi, je le fais sur les genoux. Et donc, on va le faire sur les pointes de pied, on est en planche. Donc là, on rentre bien le nombril vers la colonne. On contracte les abdos, les fessiers. Ok? Moi, je le fais sur les genoux, j'ai de la chance. C'est un jour de chance aujourd'hui. C'est ça. Non. Allez, allez, avec le sourire, toujours. Please. Allez, allez, encore, encore. Donc on commence à être un petit peu rouge, ça me fait plaisir, parce que la semaine dernière, c'est chaud dans la salle. Hein. Voilà. C'est qu'il fait très chaud. Ah, tu pouvais être niqué la semaine dernière. Hein. Voilà. Oh, relâchez. Allez, on récupère, on marche un petit peu. Et on va partir sur des sauts poignées pour Dorothée. Donc hop, en sautant, Dorothée fait mieux que moi. Et moi je vais faire des stand touch, une variante un petit peu plus facile. Oh, quelle grâce Dorothée, hein. Merci Caro. Allez, marche, soufflez bien. Allez. Alors moi le stand touch rajoute une petite flexion hein, supplémentaire. Pour bien travailler les cuisses. Alors là, vous ne la voyez pas, mais Valérie est en train de nous observer. Hein? On n'a pas le droit à lire. Allez, hop. Allez, on garde le sourire. Allez, on récupère. On marche sur place. On va repartir pour une séance de gainage en planche, point de départ planche. Alors là, je vais mettre dos à Dorothée parce que elle n'est pas très commune. Hein. Donc, on replace les coudes sous les épaules et on va faire du Spider-Man. Spider-Woman, exactement. On va ramener le genou vers l'avant-bras. Ou le bras. Allez, on va gainer. Le dos, elle a chance, elle le fait sous les pommes de pied. C'est génial. Hein? J'adore les abdos. Valérie, nous sommes bien placés. Les fesses sont à ton côte. Si. Allez, le petit dernier, enfin.
Chacun à son rythme. Allez, je vous laisse faire une petite pause boisson et on se retrouve pour la deuxième série. Allez, après cette petite pause boisson, c'est reparti pour la deuxième série. Wouhou! Allez, retiens-toi, nous dans notre folie. On repart sur les squats. Ouais. C'est parti! Allez, go! Hop! Squat, montée de genoux. Squat, montée de genoux. Allez! On descend bien, les genoux ne passent pas devant les orteils. Allez, ça commence à tirer un peu sur les cuisses. Et c'est normal. Allez. Allez, encore. Marchez un petit peu. On va descendre, on va monter et descendre un genou sur le sol ensuite. Donc on essaie d'alterner. Genou droit, genou gauche, etc. etc. On peut changer de pied d'appui une fois sur deux. Je vais faire comme moi, je vais essayer. L'euro y arrive mieux que moi. Faites on descend genou droit, genou gauche, on rentre droit à gauche et après genou gauche qui descend en premier. Allez, c'est parti. Gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, droite. On travaille de nouveau
Spider-Woman, trop bien. Spider-Woman, les coudes sur le sol. On se repositionne en planche. Le dos bien droit, rentrez le nombril vers la colonne. Et on va enlever son genou vers le bas. Allez. Soufflez bien au moment où vous ramenez le genou vers le bas. Allez. La tête dans le prolongement de la colonne. Allez. Là, on vient travailler. Allez. Tous les abdos, les transverses, les obliques, pardon. Transverses et pour moi. Et obliques. Et relâche. Allez, les fesses en arrière. On est tranquille. Merci, on va mettre debout. Septième exercice maintenant. On va partir sur des ciseaux. 8 ciseaux, 8 coups de poing. Là, je ne vais pas compter, vous allez aller à votre rythme. 8 et 8. 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Alors Dorothée, elle a une consigne plus élevée puisqu'elle doit faire le coup de poing en fente. Très bien, on a fait la deuxième série, je vous invite à boire un petit peu et on se rejoint juste après. C'est parti pour la troisième série, après cette petite pause boisson, on y retourne, on repart sur des squats. Squat montée de genoux, tu es prête Doro? C'est parti! Go! Allez, c'est parti! On fléchit bien pour moi. On sautille pour Doro. Allez, c'est parti! Allez, le dos bien droit avec le sourire. Toujours ou pas? Allez, les coudes sous les épaules, la tête dans le prolongement de la tête.
les fesses. Allez, allez, on lâche rien, on lâche rien. Allez, courage, courage, courage. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Allez, on voit lequel est le plus facile, hein. Et voilà, dessus. Allez, c'est bien. On continue. En marchant tranquillement. Et on va se rapprocher de son tapis. Puisqu'on va revenir en planche. Et en Spider-Woman. Allez, vous sortez les toits d'araignée, mesdames et messieurs. Voilà. On met le masque de Spider-Woman. Il y a un masque de Spider-Woman. Je sais pas, je connais même pas Spider-Woman. Sur une chaise, une table, un mur.
les épaules. Hein. Ok, c'est pas grave, on va passer à l'étirement des épaules maintenant. On en a son main, sa main vers le côté opposé. Allez, on maintient. 8, épaules assez relâchées. 7, 6, 5,